Donc si tu as payé ta banque, tu as porté là. Tu t'influences toi-même. Hein? Et chaque personne, hein? Tu t'influences toi-même. Amen. Amen. Ah bon. Et tu n'influences personne. Et puis c'est ton temps, tu payes. Donc là, le mariage, en tout cas, c'est une grâce de l'Éternel. Et on doit rendre témoignage à Dieu lorsque nous sommes mariés. Et surtout quand cela est fait dans le Seigneur et selon le Seigneur. Ben, le plus souvent, il y a des mariages qui sont faits dans le Seigneur, mais qui ne sont pas faits selon le Seigneur. Là encore, c'est autre chose. C'est si compliqué. Ouais. Les choses sont faites souvent dans le Seigneur, sans le Seigneur. Et il y en a qui font comme ça. Selon eux, avec Dieu, mais sans Dieu. Là, c'est compliqué. Il est important d'aller avec Dieu. Je veux profiter de ce temps pour apporter une petite connaissance dans la parole de Dieu. Tel que le nom de la mission le dit, MEMIPA, mission évangélique du mystère de la parole accomplie. Alléluia. Amen. Mystère de la parole accomplie. Et hier, nous avons encore assisté à l'accomplissement de la parole. Gloire à Jésus. Amen. Elle s'accomplit. Ce qu'elle a dit sur toi va aussi s'accomplir. Amen. Parce que, laisse-moi te dire une chose. Ton histoire n'est pas en train d'être écrite. Ton histoire est déjà écrite. Amen. C'est parce que tu ne connais pas ton histoire que l'ennemi te fatigue sur le chemin. Yes. Sinon, ton histoire est écrite. Si tu crois que c'est maintenant, c'est en train d'être écrit, tu penses que tu as beaucoup de choses à faire. Mais il y a une seule chose que toi tu as à faire, c'est de te connecter à celui qui a écrit ton histoire. C'est la chose que tu as à faire que tu ne sais pas. C'est pourquoi, loin de l'écrivain, tu es en train de patauger. Tu es loin de l'écrivain. Pourtant, celui qui était en train d'écrire a écrit son sujet dans une idée arrêtée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même quand tu prends une poésie, c'est la pensée de l'auteur qui t'envoie à aimer la chose. Tu es capté par la pensée de l'auteur. Tu ne sais pas que ta vie est une poésie. Oh. Alléluia. Amen. Oui. Ta vie est une poésie. Et à quelque part, Dieu lui-même s'est exclamé que ce qu'il a fait était très bon. Vous pensez de quoi? Il n'a pas dit ce que je veux faire. Il dit ce qu'il a déjà fait. La chose est écrite. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai que c'est un mariage, mais je viens de dire à quelqu'un, c'est l'heure de connaître quand même ton Dieu. Qu'est-ce que la Bible? C'est le thème de mon message. Qu'est-ce que la Bible? Qu'est-ce que la Bible? Je peux poser la question à une personne. Ça va donner la joie au marié. Amen. Amen. Oui. Quand en tant que pasteur, le peuple sache ce que c'est que la Bible. Qu'est-ce que la Bible? Jaurès, la Bible c'est quoi? La Bible c'est un livre saint. Un livre saint. Un livre saint écrit par les hommes de Dieu. Par les hommes de Dieu. Oui. Non, moi, la Bible c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Oui. La parole de Dieu. C'est ce que tu voulais dire aussi. Ok. Oui, Daniel. Pour moi, un livre, c'est un livre dans lequel sont régies les lois de Dieu. Les lois de Dieu. Pour nous, un livre saint. La Bible est un livre saint.
contient la Bible. La Bible contient la parole de la vie. La Bible contient la parole de la vie. Mm-hmm. Fabrice, ça contient quoi? Ok, moi. Je sais pourquoi il pose toutes ces questions. Hein. Ça contient quoi? La Bible contient la vie. La Bible contient la vie. C'est pas faux, hein, tout ce que vous dites là, il n'y a pas de faux dedans. Mais je viens. À qui appartient la Bible? À qui appartient la Bible? Oh, la Bible appartient aux enfants de Dieu. C'est des belles réponses. Oui, la Bible appartient aux enfants de Dieu. Quand tu prends le livre d'histoire CE1, le livre d'histoire de CE1, ça appartient à qui? Oui, Serge. À l'élève. Précis. Je veux une précision. À l'élève de la classe de CE1. Imagine que quelqu'un doit passer le bac et qu'il prend le livre d'histoire CE1. C'est demain qu'il étudie. On prend ça de l'église. Donc ça ne marche pas. Waouh! Dieu n'a pas tort, hein. L'homme connaît la loi. L'homme connaît. L'homme n'est pas ignorant quelque part. Mais l'homme fait d'ignorer des choses. Mm-hmm. Ça appartient aux enfants de ceux un. Donc, quand on prend le livre de mathématiques et puis on dit, ça c'est terminal D. Et puis il y a un autre encore, on dit ça là, c'est terminal C. Dites-moi un peu ce que ça peut vouloir dire. Pourtant, les deux sont terminales. Hein? Les deux sont terminales. Je suis en train de fatiguer votre esprit, non? Vous allez comprendre. Oui? Comment c'est pour spécifier? C'est pour spécifier que. Ceux-là font série scientifique. Oui. Ceux-là font la polyvalence. Les gens l'aident. Les autres là sont polyvalents. Et les autres là sont série scientifique. Donc, si tu dois réussir dans ta branche, il faut que tu t'affectionnes à ce qui t'appartient. Ah. Amen. C'est que tu peux vouloir me comprendre. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Donc, du coup, la Bible n'est pas un livre pour n'importe qui. Ce n'est pas pour tout le monde. La Bible n'est pas pour le monde. Pour présenter la Bible au monde, il faut l'évangéliser d'abord. Amen. Amen. Souvent les chrétiens, vous vous plaignez qu'on vous apporte la parole qui est trop dure. Mais si tu ne voulais pas la parole de Dieu, tu restais dehors. Amen. Donc quand je te vois à l'intérieur, je me dis que tu as soif d'une chose que tu n'as pas trouvée dans le monde, c'est pourquoi tu es là. Amen. Alléluia. Hey. Amen. Oui, tu as soif. Vrai ou faux? Amen. Donc on apporte de l'eau à ceux qui ont soif. On apporte l'eau à ceux qui ont soif. C'est pourquoi ne sois pas fatigué de m'entendre. Parce que aussi, je suis un robinet. Amen. Amen. Je suis un robinet. Oui. Le robinet, il est utile que lorsque on veut boire son eau. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi toute fois que tu tournes, tant qu'il y en a dans lui, il coule. Alléluia. Amen. S'il ne coule plus, c'est qu'il n'est plus attaché à la source est coupée. Yes. Amen. Yes. Amen. Mais la source est là. La grande source est là. Hey. Elle fait tant. Alléluia. Hey. Amen. Je prends le micro, c'est que le robinet est ouvert. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vais te parler de la parole de Dieu. La Bible elle-même n'est que pour le chrétien. La parole de Dieu nous dit c'est la science des saints. Oui, hein? Il n'a pas dit il y a des scientifiques dans le monde, mais ce n'est pas la même science. Il y a la science de la nature. Et vous les célèbres, la citez-moi les. Hein? SVD, science de la vie et de la terre. Il y a encore quel genre de science? Il y a toutes sortes de sciences qu'on peut trouver. Mais la parole de Dieu est la science des saints. La science des élus. Alléluia. Amen. Le livre des enfants de Dieu. La Bible n'est pas un livre pour le marabout, ni pour le féticheur, ni pour le païen. La Bible n'est pas le livre du musulman. La Bible n'est pas un livre pour celui qui pratique la maïkari. La Bible n'est pas le livre du bouddhiste. La Bible, c'est le livre du chrétien. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et en elle se trouve tout ce que le chrétien cherche. Maintenant, quand le chrétien il laisse la Bible et puis il s'en va à autre recherche, c'est qu'il n'est pas encore chrétien. Yeah. Il n'est pas encore arrivé. Il est encore en train de se promener. Gloire à Jésus. Amen. Nous avons la parole de Dieu qui est notre guide. Je vais vous envoyer dans des simples passages. Je ne vais pas durer. Bon, ça c'est ce que j'ai dit au fond. Vous riez pourquoi? Rien. Non, j'ai dit je ne vais pas durer. N'est-ce pas? La parole de Dieu, c'est-à-dire le livre des chrétiens, a maintenant 6000 ans. Le livre des chrétiens a 6000 ans. Qui c'est ça? La Bible a 6000 ans. Vous ne savez pas? Non. Est-ce qu'il n'y a pas de livres qui datent de plus que la Bible? Il y en a, non? Il y en a, non? Ça veut dire qu'il y a des livres qui ont commencé à être écrits avant la Bible elle-même. Si on va dans les profondeurs, vous serez choqués. Un peu. J'aime quand les gens veulent la connaissance. Je parle aux chrétiens. Est-ce que je suis en train de parler aux chrétiens? On va donner encore le Seigneur. Alléluia. Donc, vous savez, il y a des livres qui datent des années plus que la Bible. S'il y a des livres qui datent d'années plus que la Bible, c'est que des personnes les ont écrits. Je vais vous laisser dans la soif. Et il y a parti. Il y a des personnes qui l'ont écrit. Vrai ou faux? Mais pourtant, lorsque nous prenons la parole de Dieu, regardons la généalogie. D'Adam jusqu'à Abraham, 2000 ans. Mais pourtant, je suis en train de te parler des 6000 ans de la Bible. 2000 ans. Ça a commencé à être écrit à travers là, n'est-ce pas? D'Adam jusqu'à Abraham, 2000 ans. D'Abraham à Jésus, 2000 ans. De Jésus jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans. Nous sommes à 6000 ans de la Bible. Seigneur, je parle de ça encore. Ça même, c'est un enseignement pour mes appelés. On n'est pas encore arrivé là-bas. Ça est dans Kaïla là-bas, ça les attend. Je vous parle un peu en flottant. Oui, on ira encore. Lorsque le Seigneur nous fera la grâce. Donc, s'il y a des livres qui ont duré que la Bible, je viens te faire comprendre qui tu es. C'est à là que je veux en venir. Adam a commencé à écrire, ça veut dire l'histoire d'Adam a commencé à partir de la Bible. Pourtant, il y a des livres qui datent de plus loin que la Bible. C'est mélangé. Ah. Donc, restez tranquille. Les profondeurs, vous les aurez là-bas après. Quel
Il va me dire, avant Adam, il y a quelqu'un. Hein? C'est ça que tu voulais me demander. Attends, laisse-moi te demander une chose. Job même a vécu à quelle époque? Il faut laisser à faire. Ça, c'est pour vous autres après. Gloire à Jésus. Avancez un peu à cause des groupes de la pluie là. Avancez là, on va bien s'entendre. Je vais continuer avec vous seulement sur la science des saints. Alléluia. Adam, premier homme, choix de Dieu. Amen. Adam, premier homme, choix de Dieu. Il y a des choses que je ne vais pas vous expliquer, mais je vais flotter. Premier homme, choix de Dieu. Dieu l'a retiré. Et Dieu a voulu faire avec lui quelque chose de spécial. Comme toi. À son niveau, ça a échoué. Abraham, deuxième homme, choix de Dieu. Ce que je dis là, vous comprenez? Ceux qui ont l'esprit comprennent. Ceux qui ont l'esprit comprennent. Amen. Abraham, deuxième homme, choix de Dieu. Quand Caïn quittait ses parents parce qu'il a tué Abel, il dit, je vais partir et quiconque me verra me tuera. Wow. Qui le tue à quelque part? Je ne parle pas trop de ça. Ça vient dans les enseignements après. Il dit, quiconque me verra me tuera. Et puis on dit que la terre n'était pas encore peuplée. Mon frère, la terre sera toujours peuplée. Mais tu seras une personne que Dieu aura choisie pour une mission. Alléluia. Dieu choisit toujours un pour une mission. Mais si tu échoues à ta mission, Dieu ne va pas abandonner son rêve. On n'a pas terminé les enseignements. Le rêve de Dieu, ça continue à quelque part. On programme ça après. Alléluia. Tu échoues à ta mission, fais attention à toi. Tu échoues à ta mission, Dieu va continuer son rêve. Ça ne va pas s'arrêter parce que toi, tu ne veux pas. J'envoie quelqu'un aujourd'hui à prendre conscience de sa vie chrétienne. Prenons conscience de la vie chrétienne. La parole de Dieu est la parole des chrétiens. C'est le livre des chrétiens. Ce n'est pas le livre de l'humanité. Ce n'est pas l'histoire de l'homme. Ce n'est pas l'histoire de la vie commune universelle que nous avons. C'est la vie des enfants de Dieu. C'est la vie des enfants de Dieu. Ce qui est malheureux aujourd'hui est que les enfants de Dieu sont en train de fuir eux-mêmes leur propre vie. Mais quand tu fuis ta vie, alors tu ne peux avoir la vie parce que tu ne peux pas prendre la vie de quelqu'un d'autre. Tu fuis ta vie. Une fois que tu fuis ta vie, c'est que tu es mort d'avance. Vrai ou faux? J'appelle quelqu'un à ressusciter encore sur terre. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, ce n'est pas de la littérature, mais c'est l'esprit. Ce n'est pas littérature. Ça n'a rien à voir avec ton cours de français où ton professeur peut comprendre que tu lis très bien. Ça n'a rien à voir. Gloire à Jésus. La parole de Dieu, telle que je le dis, la science des saints. Lorsque tu as la parole au devant de toi, celui que tu cherches à connaître, c'est Dieu et toi-même. Tu cherches à connaître Dieu et toi. Et alors, lorsque tu découvres cette science-là, c'est là qu'elle positionne ton salut. Je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Là encore, est de la littérature. Beaucoup ont cru au Seigneur Jésus, ils sont en enfer, eux et leur famille. Ça t'étonne?
Parce que quoi? Crois au Seigneur Jésus là, tu ne connais pas ses profondeurs. Crois au Seigneur Jésus là, tu l'as pris comme quelqu'un qui vient à l'église, il connaît le pasteur David, il le salue, il fait offrande et puis il paye dîme. Ça s'arrête là. Crois au Seigneur Jésus ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Prends le psaume 139. Nous allons aller à comprendre ce que c'est que la parole de Dieu. La Bible est pour ceux qui sont nés de nouveau. Celui qui n'est pas né de nouveau, même lit la Bible sans comprendre. Et beaucoup sur le terrain sont dans la confusion parce qu'en réalité, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ont seulement été baptisés dans une assemblée par un pasteur, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Parce que la nouvelle naissance ne se conforme pas seulement à ton plongeon dans l'eau. Il y en a qui ont cru que le fait qu'ils sont déjà baptisés a fait d'eux des véritables chrétiens. Le brigand à la croix a compris quelque chose qui l'a fait entrer dans la gloire pendant qu'il n'a pas été plongé dans l'eau. Yes. Vrai ou faux? Ah bon? Oh oui. Et il n'a pas eu simplement la grâce. La grâce a été méritée. Juste au moment où il était à la croix, la sagesse lui est venue de mériter quelque chose de fort. On est en train de dire que c'est une grâce. Mais peut-être même que c'était du mérite. C'était un dû. Et c'est ce que la Bible nous demande. De ne pas être là à attendre des grâces, mais à revendiquer des droits. Le Seigneur veut que nous revendiquons des droits et que nous ne soyons pas là seulement à chercher des grâces parce que la grâce elle-même, elle est trompeuse. La grâce te trompe. Tu seras en train de déverser l'onction. Ça, c'est une grâce que le Seigneur t'a accordée. Mais après cette onction, qu'en est-il de l'état de ton âme, prêt pour le salut ou il doit être jeté en enfer? Vous n'avez pas vu ce que le Seigneur a dit à Bénigne? Vous avez vu, non? Il y a beaucoup. Attends, tu as onction que Bénigne? Qui est à ça plus que lui ici? Même pas moi. Tu as passé par où? Non, je n'ai pas onction plus que lui. La capacité que Dieu lui a donné d'exercer là, je n'ai même pas encore exercé. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, puis j'ai lancé ma main. Quand lui lance sa main, les gens sont déjà tombés. Je suis en train de te parler d'une chose. Oui? C'est la personne à son programme. Il descend. Il sillonne rangé. Et puis à gauche, à droite, c'est vincé. Moi, il peut descendre tout dessus, il verra, il vient. Amen. Amen. Mais il n'a pas tissé forte, mauvaise alliance. Hein. Il n'a pas fait médicament. Ce n'est pas tous ceux qui versent les gens là qui font médicament. Oh. Il y en a là. C'est Dieu lui-même qui a accordé la grâce. Amen. Dieu a accordé la grâce. Les gens sont versés à gauche, à droite, les gens se versent. Il y a d'autres qui n'ont pas eu cette grâce. Et puis ils sont allés chercher ça chez la sirène. Les gens se versent. À gauche, à droite, ça se verse. Donc le Seigneur permet tout ça là. On nous dit, après ces choses, recherchons l'important. Si tu n'es pas exalté jusqu'au ciel, ce serait compliqué pour le salut. Je prêche, c'est compliqué. Mais moi, je prêche au Fils de Dieu. Je prêche au Fils de Dieu. Psaume 139. Psaume 139, verset. Et quelqu'un me prend Proverbe 9, 10. On va lire au moins 4 passages. Et je vais vous laisser sous. Je ne sais pas s'il y a dit sur la soif ou sous la soif. C'est sous. Ok. Frère, Psaume 139, verset 6. On peut se tenir debout, c'est pas mauvais. Psaume 139. À son verset 6. Et la parole de Dieu. Attends, il y a tout le monde aussi.
Oui. Psaume 139, à son verset 6, et la parole de Dieu. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. David dit, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Il parle de la parole de Dieu comme ça. Il dit, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Ça veut dire, quand je calcule jusqu'à la question, je ne peux pas comprendre moi-même. C'est au-dessus de ma portée, je ne comprends pas. Parce que Dieu là, est bizarre, hein? On ne comprend pas. Aïe. Je vais dire à mes appelés, ah, il y avait des gens à moi. C'est eux qui vont me poser la question. Je ne veux pas que ça sorte là-bas, c'est pourquoi je vais leur dire ça. Il y a des choses qu'on ne dit pas vite. On dit à des personnes qui ont l'esprit de comprendre et de supporter avant le temps de compréhension. Parce qu'il y a ce que tu entends aujourd'hui que tu ne supportes pas et que tu supporteras demain. Parce que c'est ton temps de comprendre. Gloire à Jésus. Relis le passage, petit. Psaume 139, oui. À son verset 6. À son verset 6, oui. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Oui. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Proverbe 9, verset 10. Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse. C'est la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints. Et la science des saints. C'est l'intelligence. Waouh. La science des saints, c'est l'intelligence. C'est-à-dire que pour connaître la parole de Dieu, là, c'est l'intelligence. Celui qui n'est pas intelligent ne peut comprendre la parole de Dieu. Parce que quand tu n'es pas intelligent, on te parle de mariage, tu dis, oh, je suis grand, je peux chercher femme. Mais la science des saints te dit, ce n'est pas on est grand qui cherche femme. Ce n'est pas celui qui est grand qui cherche femme. Alléluia. Il faut sonder la parole de Dieu pour savoir qui cherche femme. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Je ne veux pas reprocher sur le mariage. Amen. Ce n'est pas je suis grand qui cherche femme. Donc toi qui crois que tu es grand, là, pardon, arrête de chercher femme. Lorsque tu n'es pas marié, il faut arrêter de chercher femme là maintenant. Ce que je suis en train de te dire, Satan en connaît les profondeurs. Arrête de jouer avec le feu que toi-même tu ne peux pas éteindre. Beaucoup de chrétiens jouent avec un feu qu'ils ne peuvent éteindre. Pourtant, tu as besoin de feu. Il n'y a pas un feu plus grand que le feu de ton Dieu. Alléluia. La Bible déclare qu'il est le feu dévorant. Amen. Et puis, petit feu de Satan, là, vous le laissez vous brûler. C'est un manque de connaissance. Je suis en train d'embrouiller quelqu'un. Papa, ça va aller. Je t'embrouille, non? C'est ça. Ça va aller. Prends Luc 11, le verset 52. Luc. Luc 11. On a lu le problème, non? Oui, oui. Voilà. Luc 11, verset 52. Oui. Malheur à vous, docteur de la loi. Malheur à vous, docteur de la loi. Parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même. Oui, dans la science, vous-même, vous avez laissé la chose. Et vous empêchez d'entrer ceux qui veulent, ceux qui le voulaient. Ceux qui veulent entrer. Moi, j'aime ceux qui veulent entrer dans la science. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de dire en ce temps-là au docteur de la loi. Quand on parle de docteur de la loi, ça veut dire quoi? Ils connaissent et ils détiennent les profondeurs de Dieu. Amen. Il détient les profondeurs. Un docteur, c'est celui à qui Dieu révèle ses profondeurs. Ça n'a rien à voir avec le pasteur littéraire. Excusez-moi. Continuons. Il ne choque personne. Alléluia. Amen. Vous savez, l'œuvre de Dieu,
Lorsque tu es en train de l'exercer, tu te découvres. Viens exercer. Tu ne te connais même pas. Quand Dieu t'a appelé, tu ne te connaissais pas. Et puis tu ne sais pas où il t'a rencontré. Mais le gars, il te connaît. Il dit, je te connais, puis je t'appelle par ton nom. Yes. Donc comprends ça. Je te connais, je t'appelle par ton nom. Le monsieur là te connaît. C'est toi qui es ici, on te parle, tu te jettes à gauche, tu te jettes à droite, tu résistes, tu insistes. Non, je vais interroger le Seigneur d'abord. Non, je vais voir ceci. Non, je vais voir cela. Il faut interroger Dieu. Et puis la réponse là, ça va te trouver dans la tombe. C'est là où personne ne peut œuvrer pour le Seigneur qui est là-bas. Interroge-le. La réponse t'attend dans la tombe. Tout le temps d'interrogation que tu es en train de prendre. Tu vois la réalité au devant de toi, tu ne veux pas accepter la chose, tu dis je vais interroger Dieu. Tu te trompes toi-même. Je parle à quelqu'un. Amen. 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 La personne t'attend. Quelqu'un t'écoute. Que j'interroge Dieu. Interroge-le. Tu fais exprès. Tu fais exprès. Sinon, quand quelqu'un te donne une révélation, bien une prophétie, ne te dit rien de nouveau. C'est ce que tu sais qui vient pour te confirmer. Amen. Il te confirme ce que tu sais. Mais tu fais comme si tu ne sais pas. Il a interrogé Dieu. Parce que tu sais que sortant d'ici, tu vas continuer de ne pas respecter. Amen. Mais ce qui fait ça, c'est le manque d'amour pour ton Créateur. Tu ne l'aimes pas. Nous qui l'aimons, nous souffrons de la désobéissance. Mais ceux qui ne l'aiment pas dorment dans la désobéissance. La désobéissance ne fait pas souffrir ton cœur. C'est parce que tu n'aimes pas ton Créateur. Tu te plais encore à quelque part. Et puis tu fais exprès. Tu alignes des jeunes priants que tu sais que tu mens. Pourquoi vous êtes méchants? Quand même tu sais que tu mens, mais tu alignes jeunes priants. Jeunes priants là, tu veux faire quoi? Remonter aux temps anciens et réécrire l'histoire de Dieu, ça ne peut pas. Je dis, c'est déjà écrit. L'histoire est écrite. Relève-toi et range-toi dans la position de Dieu. Tu verras alors les miracles vont s'accomplir. Depuis, il n'y a pas de restauration. C'est parce que tu n'es pas à ta place dans le Seigneur. Mon histoire est écrite. J'aime bien le cantique de... Elle s'appelle quoi? Adam. Ce cantique est inspiré. Je n'ai pas dit c'est sa personne que j'aime. J'ai dit j'aime le cantique. J'aime la vérité de la parole qui est chantée. C'est tout. Quand elle a dit que mon histoire est écrite, elle n'a pas menti. Ça, c'était vraiment une inspiration divine. Alléluia. Ton histoire est écrite. L'histoire est écrite. Est-ce que quelqu'un sait que son histoire est déjà écrite? Amen. Dans l'histoire qui est écrite, se trouve le nom de ton épouse et de ton époux. Amen. Mais oui, dans l'histoire se trouve le nom de tes enfants, c'est aligné. Tu vas vieillir. Un seul parmi eux ne va venir au monde à travers toi. Mais s'il y a des serviteurs de Dieu dedans là, le Seigneur les enverra naître même chez un féticheur et puis il va les racheter. Restez là. Quelqu'un n'a pas compris. Parce que Dieu n'abandonne pas son rêve. Il va naître à travers toi. Ça, c'est une grâce. Tu seras aussi glorifié. Parce que quoi? Un grand serviteur est né de toi. Mais tu joues aux zouaves, non? Continue. Continue. C'est pas un jus, c'est vérité. Continue de jouer aux oies. Le serviteur de Dieu qui devait naître viendra forcément dans ce monde. Marie a été un canal. Sinon, c'est pas sur Marie que la venue de Jésus a été positionnée. Elle pouvait s'appeler autre nom. Mais en ce temps où Jésus devait venir, elle était la servante bien disposée, yes, vierge pour l'Éternel. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. L'année où Jésus devait venir, l'époque qui a été précisée depuis le ciel, lorsque cette époque est arrivée et que le sommet devait faire son entrée dans l'humanité,
tu étais disposé. Tu n'as pas été disposé. Tu es là encore, tu perds du temps. C'est quoi? Je parle à un appelé matin là où il est. Amen. C'est pas. Je parle à une servante. Je parle à un serviteur de Dieu. Amen. Je parle à des gens qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Tu l'as accepté? Écoute le message avec tes oreilles. N'étends pas les pavillons. J'ai dit tes oreilles. Quand tu fais quoi? Tu n'entends pas. C'est que tu es encore un sourd. Connais l'attitude de celui qui entend. Reprends. Luc 11, 52. Luc 11, verset 52. Mm-hmm. Malheur à vous, docteur de la loi. Oui. Parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entré vous-même. Et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Vous avez enlevé la clé de la science. Ça veut dire que ce qui pouvait donner accès, c'est ça, non? Oui. La clé, oui. C'est ce qui donne accès à l'intérieur, n'est-ce pas? Donc, si on veut analyser, la parole de Dieu même n'est pas l'extérieur. Faites attention à vous. Faites attention. Quand je dis la parole de Dieu n'est pas extérieure, il ne faut pas me dire qu'on peut porter bijoux. Je ne parle pas de cet extérieur. Je ne parle pas de ton corps, la terre. Amen. Parce que quand Dieu prend la terre, il permet qu'en lui soit déposé un souffle. Quand Dieu dit il a soufflé en toi, c'est dans le but de t'accorder quoi? L'esprit. Oh, là, je vais aller trop loin pour vous, je m'arrête. Je vais aller trop loin. Mais je reste tout près ici. Vous avez enlevé la clé de la science. Aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire. La clé de la science a été enlevée. Et lorsque on te parle des profondeurs de la parole de Dieu, la chair vient faire ses analyses. Au lieu que l'esprit fasse analyse, la chair regarde toutes les communautés du monde entier. Il va sur Facebook. Il voit la servante de Dieu prêche en pantalon et les gaillacons. On dit voici. Voici onction. Tu es charnel. C'est pas onction. C'est la mort que tu as vue. Tu n'as pas su discerner les choses. Vous ne savez pas que la mort fait bruit et puis acrobatie. Allez-y dans les funérailles, vous allez voir. Ah bon. La mort fait acrobatie, la mort fait bruit. La connaissance est tranquille. La connaissance est tranquille. Et quand la connaissance veut se manifester, c'est les miracles qui s'opèrent. Amen. Gloire à Jésus. Tu m'as bien entendu, non? Amen. Vous avez enlevé la clé de la science. Mon frère, faut chercher la clé, tu vas ouvrir la porte. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la connaissance de celui qui t'a envoyé dans ce monde-là se trouve à l'intérieur de la maison. La connaissance se trouve à l'intérieur de la maison. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas dès lors qu'on le cherche. En réalité, le chrétien, quand il sort, personne ne doit lui demander s'il est chrétien. On ne doit plus demander s'il est chrétien. On doit le savoir. Mais aujourd'hui, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Parce que quand on se regarde, nous et le monde, nous nous ressemblons. Un chrétien ne doit pas ressembler au monde. Mais ce qui fait que tu ressembles au monde, c'est parce que tu ne détiens pas la clé de la science. Quand tu as la clé de la science, tu as une vie de l'intérieur et non une vie de l'extérieur.
Vous me comprenez? Amen. Merci. Ceux qui ont l'esprit ont compris. Amen le Seigneur. La clé de la science, c'est très important. Va à 2 Pierre 1. Deux pierres, un. À partir du verset 5. Non, commence au verset 3 d'ailleurs même. Deux pierres. On va s'arrêter au verset 8. Chapitre 1, à partir du verset 3. Mm-hmm. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mm. Moyen de la connaissance de continuer. Frère, merci. Suis-moi comme un prophète. Amen. Ok. Quand le prophète fait lecture, il sait prendre des pauses. Amen. Parce qu'en lisant lui-même, il sent qu'il y a une révélation à quelque part, ça fait qu'il freine. Amen. Ça, c'est la vie du prophète. Parce qu'il s'attend directement que celui qui est en train de prêcher doit décortiquer quelque chose ici. Amen. Vous ne savez pas ça? Non. Merci. C'est l'esprit qui fait ça. Donc suis-moi comme un prophète. Amen. Il dit. Dans ces temps-ci, des choses bizarres se passent. Yeah. Non, c'est bon. Merci Seigneur. Ok. Deux pieds versets. Chapitre 1, verset 3. Oui, chapitre 1, verset 3. Merci. Ok. Continue, recommence s'il te plaît. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue sa à la vie. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Et à la piété. Quand on parle de piété, on veut parler de quoi? Quand on parle de piété. Quand on parle de piété. Le respect des valeurs des choses de Dieu. Oui, la piété c'est l'amour total aux choses qui concernent Dieu. J'aime. Donc dans la piété là, se trouvent toutes les autres vertus. Quand tu consacres ta vie à la piété, on ne va plus te dire qu'il faut vivre sanctification. Oui, tout est dedans. On ne va plus dire à quelqu'un vivre la chasteté. Tout est dedans. On ne va plus te dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Au fait, comme la parole de Dieu le dit, tu deviens irréprochable. C'est tout. La vie de piété nous rend irréprochables. Et nous donne accès de juger de tout sans être jugés nous-mêmes par quoi que ce soit. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ok. Frère, nous continuons. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Il dit au moyen de la connaissance. La vie de piété, regarde comment nous l'avons obtenue. Au moyen de la connaissance. Donc si tu n'as pas la clé de la science, tu ne connais pas Dieu. Vérité. Donc qui sais-tu? Tu sais qui? Tu œuvres pour qui? Tu vis pour qui? Tu es attaché à qui? Question. Le plus souvent, nous servons la chair. Beaucoup servent la chair. Comme ils servent la chair, les décisions proviennent de leur raisonnement. Pourtant, toute décision doit provenir de la parole. Comme nous servons la chair, les décisions proviennent de nos raisonnements au lieu de provenir de la parole. Ce qui est sûr, quand je regarde là, je ne vois pas garçon qui peut me marier dans l'église là. Et donc, le marabout qui avait sa voiture dehors là, il dit que je peux partir à l'église, il ne va pas m'empêcher. Que lui peut aller à la mosquée, moi je peux aller à l'église. Tu ne connais rien. Le marabout dit je peux aller à l'église, lui il va aller à la mosquée. Est-ce que tu t'entends? Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Quelle est cette histoire? C'est comme ça là tu veux faire enfant. Mais les enfants que tu vas faire là, ce sont les enfants de qui? Oh.
Tu aïe, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Tu veux que moi je t'encourage dans ton maîtressiat là? Hein? Maîtresse sans crédit. Tu enseignes qui? Sans établissement. Il n'y a pas école ni rien. Il n'y a pas école, tu es maîtresse de quelqu'un? Tu ne peux pas évangéliser celui qui vient vers toi là. Il dit que non, il vient avec sa femme là, mais il n'aime pas. Il n'aime pas. Donc c'est toi, il aime. Il n'aime pas, c'est toi, il aime. Vous êtes des chrétiens et puis vous pratiquez la sorcellerie à l'église. On dévoile. Comment tu sais ça? Je te dis. C'est la connaissance. Amen. La clé de la science. Oui. C'est quoi ça? Quand tu as fini de faire trois enfants et la femme là, c'est maintenant que tu sais que tu l'aimes pas. Attends, pourquoi tu es sorcier, moi? Et puis elle est là, tu es en train de botter pour elle. Un matin, tu la laisses avec ses enfants. Feu sur toi. Feu sur toi. Tu veux la laisser, tu veux aller faire quoi? Nouveau là, il y a quoi dedans? Tu veux passer au CP2? C'est parce qu'il n'est pas encore intelligent. Sinon, quand tu passes au CP2 là, c'est dans la même cour de l'école que tu te trouves. C'est pas fou. Appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Waouh! Est-ce que vous entendez parole de Dieu là? Aïe! Il dit au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. La vertu là, c'est quoi? Si elle dit à quelqu'un de lire la Bible, c'est qu'elle est en train d'expliquer le passage, ça là, c'est Dieu, il ne pourra pas expliquer. Elle dit, j'ai lu, mais il ne comprend pas. C'est vrai, tu n'as pas compris. Tu n'es pas encore entré dedans là-bas. Amen. Vertu là, c'est quoi? La vertu de Dieu, c'est quoi? Par sa gloire. La vertu de Dieu, c'est quoi? Quand on parle de vertu, on parle de quoi? Sa vertu. Oui, frère. Dans le mot vertu, d'abord, j'entends d'abord vêtements. On parle d'abord des vêtements, mais ce que je voulais expliquer, oui, est que on me dit d'adopter le caractère. La nature de Dieu! La valeur de 17. Oui.
Vous voyez? Ah. Donc, ça parle de sa nature. Sa vertu, ce qu'il est. Son comportement, son caractère, sa nature. Vous comprenez un peu? Puisque nous sommes nés de Dieu. Si ton mouton étant en gestation, veut mettre bas et puis tu vois que c'est un chien qui sort. Ça, tu vas interpeller tous les voisins. N'est-ce pas? Mais qui est cette personne qui est née de nouveau, de l'esprit? Point d'interrogation. J'ai dit, mais qui est donc cette personne qui est née de l'esprit et qui n'a pas la nature de l'esprit, qui l'a enfantée? Je parle aux chrétiens. Tu n'as pas la nature de l'esprit qui t'a enfanté. Ça veut dire que tu as été formé dans le ventre de mouton, tu sors chien. Je n'insulte personne. C'est la Bible qui a dit dehors les chiens. Lui-même, il a dit ça d'avance. C'est écrit dans la Bible, il dit dehors les chiens. Vous voyez pourquoi j'ai dit qu'il faut avoir la clé de la science pour entrer à l'intérieur. Parce que nous n'avons pas la vie du dehors. La vie du dehors, c'est tout ce que tu vois. Auquel tu veux t'attacher. Et puis tu ne veux pas que nous parlons. Moi seulement, je ne suis pas le docteur de la loi qui ne parle pas. Donne les prescriptions. Je suis le docteur de la loi. Le robinet est ouvert. Qui parle. Ah, donc je suis docteur. Amen. Ok. C'est bien sûr, je suis prophétesse. Amen. Dieu, amen. Seigneur. Continue, frère. Ça va aller. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les grandes, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Tu vois, il nous assure les plus grandes promesses. Je t'ai dit que ton histoire était déjà écrite, non? C'est pas maintenant que le Seigneur va venir te faire une promesse. Tu es là depuis, tu es en train de rater ta position dans le Seigneur, rien ne marche. Faut pas nous mettre dans un jeu de prière inutile. Revois-toi seulement. Et commence à obéir. Arrêtez de nous mettre dans les jeûnes et prières inutiles, les délivrances qui ne vont pas aboutir. Démon sort aujourd'hui, demain il est là. Arrêtez. Toi tu es con. Et puis depuis là, ton démon il sort, il revient. C'est que toi et puis lui, vous vous trouvez sur un terrain de soleil à quelque part. Oui, un démon locataire. Il loue maison chez toi. Il loue maison dans ton corps. C'est qu'il te paye par toi. C'est clair. C'est combien il te donne, tu ne veux pas laisser. Il me plaisir. Il te donne combien? Le monsieur là, il laisse sa famille et puis il vient chez toi avec son salaire. Maîtresse. C'est ça, non? Oui, mais tu penses qu'il n'y a plus de garçon, tu es là, tu entretiens un garçon. Il y en a aussi qui font ça. Le Seigneur dit, c'est pas toi, il aime. Il aime trop. Il va prier pour pas qu'il va partir. Il l'aime. Moi, il ne va prier pour pas qu'il va partir. Il te dit, j'ai compris, Jésus est Seigneur. Dès que tu as tourné ton il dit, Seigneur, mets pas là contre eux. Il n'a qu'à la frapper, puis il va gérer ses batailles dehors. Amen. Elle va revenir te servir. Parce qu'elle ne comprend pas que les nations attendent qu'elle soit un canal de délivrance. Amen. Donc il a prié pour que le Seigneur même il le tue. S'il le faut. Tous vos gars là, ils vont mourir. Vous allez devenir chrétiens. Amen. Amen. C'est quoi ça? Jésus compliqué, non? Mais tu as accepté Jésus pour qu'on aille au ciel? Si je suis léger, c'est
Ça veut dire que moi, je contribue à les sorciers de ta famille pour te tuer. Tu ne vas pas me trouver. Viens te dire la vérité. Gloire à Jésus. Frère, lève-toi. Fais vite, on va finir en 10 minutes. Verset 4 toujours. Ouais. Afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, oui, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est pas ça qu'on est en train de parler là. Vous voyez? C'est ça, non? Convoitise. Vous avez les regards qui se promènent en fuyant les choses du monde. Je suis déjà trop vieille, je ne suis pas mariée. À l'église là, même depuis là, je passe dans toutes les églises. C'est parce que tu as sauté pour aller passer dans toutes les églises. Sinon, il y avait l'année où dans ton église là, le monsieur allait venir te trouver. Ouais, tu étais trop pressé, tu es parti passer dans toutes les églises. Je ne vois rien. Tu ne verras rien. Tu n'as pas la clé. C'est à cause de ça, tu ne vois rien. Ouais, je passe ici, je ne sais pas pourquoi j'échoue. Mon frère, tu as besoin de la clé. Il faut entrer à l'intérieur. Quand tu vas voir ton histoire, tu sauras pourquoi dehors tu échoues. Tu n'es pas fait pour la vie du dehors, tu insistes. Tu insistes. Tu n'es pas fait pour dehors, mais tu veux regarder dehors. Et puis il y en a quand ils quittent San Pedro, là, ils pensent que ce qu'ils ont entendu là, c'était la prédication de Madame Casso, c'était elle sa parole. Donc ils vont prendre votre parole à quelque part. Dieu n'est pas deux. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas deux. Dieu n'est pas deux. Il n'est pas deux, il est unique. C'est toi. Prends la parole de Dieu et cherche la vérité. Ne fuis pas pour chercher une assemblée qui plaît à ton corps et non à ton esprit. Tu cherches assemblée qui plaît à ton corps. Ça va, ils vont m'arranger. Et au moins, ils vont me mettre moins de pression. C'est parce que ton cercueil marche à côté de toi que tu cherches moins de pression. Faut brûler le cercueil. Par la folie de la parole, tu brûles le cercueil. Qu'il quitte à côté de toi. Parce que l'esprit de vie n'a rien à voir avec la mort. Donc, un cercueil va marcher à côté de moi. Quelqu'un est d'accord avec moi? Pardon, acclame-moi le Seigneur, même si tu n'es pas d'accord. Ouais, acclame-moi le Seigneur, même si tu ne veux pas. Comme c'est moi qui ai le micro et que je suis à la chaîne. Ok, c'est aussi là la grâce que Dieu m'a donnée. Allons, frère. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même, oui, faites tous vos efforts. À cause de cela même, reprends encore le verset 5. À cause de cela même. À cause de cela même. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. Vous avez compris? Pour joindre à votre foi la vertu, ça veut dire que quoi? La nature de Dieu. Tu as la foi. Oui, je crois que Jésus là, il est vrai, il est réel. C'est Marie qui l'a accouché. Il n'est pas le fils de Joseph. Ok, c'est la foi. Tu crois que l'histoire de Dieu là, c'est vrai, vrai. Oh, la délivrance, j'y crois. Oui, c'est la foi. Mais après la foi. Mais après la foi. Il y a la foi qui sauve. Là, là, je ne vais pas encore rentrer dans les profondeurs. Il y a celle qui sauve. Sinon que, j'ai déjà prêché une fois que les démons croient. Et la Bible le dit. Tu dis que tu as la foi. La Bible dit même les démons croient. Satan là, il a plus la foi que toi. Parce que lui, il connaît des profondeurs que toi, tu ne connais pas. Ouais. Il est quitté dedans. C'est compliqué. Pourtant, on t'avait seulement prêché que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est pas là, on revient là. Voilà que la Bible te dit, Satan croit. Hein. Mais le gars n'est pas sauvé, lui et ses démons. Donc la foi avec la rébellion ne parvient pas au salut.
La rébellion, c'est renoncer à la vertu de Dieu. Quand tu renonces à la vertu de Dieu, et que tu veux vivre la foi selon tes raisonnements, il n'y a pas le salut dedans. Quelqu'un comprend? Ou bien c'est mélangé? Qui comprend pas? Merci. Je parle à des chrétiens. Amen. Frère, nous sommes au verset 5. Verset 5. Toujours. Continue. Je vais m'arrêter au 8. Verset 5. Oui. À cause de cela même. À cause de cela même. Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Regarde comment la Bible est écrite. Il a dit tous vos efforts. Et lui-même, il te dit encore. Il est en train de te faire comprendre que la vie chrétienne là n'est pas facile. Mais c'est à cela que tu es appelé. C'est ta vie. C'est ta vie. Si tu veux laisser ta vie, tu vas mourir. C'est tout. C'est comme tu te lèves tout de suite, tu dis, je suis fatigué de respirer. Si tu es fatigué de respirer, c'est que tu veux quoi? Ah, tu veux mourir, non? C'est ça, ça fait la guerre. Est-ce que je parle à un chrétien? Amen. Qui est chrétien ici là? Amen. Ah, yes. Oh, yes. Ah, ouais. Il y en a même qui ont soulevé les deux bras. Là. Amen. Gloire à Jésus. Si tu es chrétien, c'est que ce que je dis là te plaît. Amen. Plus que elle. J'ai dit à David hier,
C'est vrai que tu aimes Céline, mais il faut aimer Dieu au-dessus de Céline. Sinon, tu vas échouer dans le ministère. Amen. Et si Céline n'aime pas Dieu au-dessus de David, elle va échouer dans le foyer. Quand dans un foyer chrétien, ça ne va pas, vous voyez les divisions, les séparations, c'est parce qu'à quelque part, quelqu'un parmi eux a cessé d'aimer Dieu. Il a cessé d'aimer Dieu. Il a commencé à considérer que ce que lui désire en lui est tellement fort que la décision de Dieu n'a plus de valeur. Donc facilement, il peut s'éclipser et puis aller chercher ses propres désirs. Tu n'aimes pas Dieu. Celui qui aime Dieu à cause de Jésus-Christ de Nazareth s'attache à ce que Dieu lui a confié. Quand le Seigneur a dit voici ton homme, ça t'a plu comme prophétie. Quand ça va commencer à chauffer, il faut comprendre que ce n'est pas toi qui as choisi David, mais c'est le Seigneur qui t'a confié David pour dire voici ton homme. Donc à cause de Jésus, tu dois bien gérer la situation pour ne pas que ce que Dieu a mis en David puisse mourir, mais ça doit continuer de vivre. Donc tu dois veiller dessus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ah. Si vous avez compris, que Dieu nous bénisse. Amen. Frère. Mm-hmm. Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu. Et à la vertu, la science. La science. À la science, la tempérance. La science est revenue encore. Ça veut dire que quoi? Les profondeurs de Dieu. C'est ça la science, la connaissance de Dieu. À la science, hein? La tempérance. La tempérance. Ah. Lorsque la science est là, il y a la tempérance. La tempérance, c'est quoi? La maîtrise de soi. Oui? La tempérance, c'est attendre. C'est attendre quelque chose. Ça, c'est la patience. La patience. Ça, c'est la patience. La tempérance, lui, c'est quoi? La maîtrise de soi. La tempérance. Hey. Hein? Qui m'a interrogé? Malavi. Hein? Esther. Oui. Le doux. Le calme. Le calme. Ouais, mais c'est pas fini. Ouais, dans la tempérance se trouve la maîtrise de soi. On dit qu'il faut faire tout possible pour joindre à la fois la vertu et à la vertu la science. Mais à la science, il faut joindre la tempérance. La maîtrise. La tempérance, c'est la capacité qui nous envoie à modérer, à savoir modérer les choses en nous. Se maîtriser. Ça veut dire que quand les choses, comment l'appelle-t-on, tu as la connaissance, la science, elle est là au devant de toi, tu as la clé de la science, ce n'est pas parce que tu l'as que ta nature physique, elle est morte. Ouais. Elle est morte d'une manière spirituelle. Vous comprenez un peu? Donc, je vais prendre un exemple qui est facile. Un homme comme ça, tel que je le disais hier, tu te réveilles la nuit, tu t'en vas pisser, la chose là, elle est devant toi. Là, la connaissance de Dieu te dit de faire appel à la tempérance. Oh oui, il faut faire taire le désir qui est là. Parce que tu sais pourquoi il s'est levé. Mais là, tu n'es pas obligé de lui obéir parce que le Seigneur te donne une autre recommandation. On ne te dit pas d'aller lui obéir. Ça, c'est lui sa décision. La chèvre, il parlait. Et puis, il dit, chèvre, tu n'es que terre. Je suis né de l'esprit et l'esprit se tait. En ces circonstances pareilles, le sage se tait. Donc, ce qui est en toi donne sa sagesse. Alléluia. Thank you, Lord. Sa sagesse, la sagesse lui dit, il faut te coucher tout doucement. Même si ta femme a voyagé. Oh yes.
garçon. Tu n'es pas garçon, tu es un cadavre. Parce que le cadavre, son odeur passe partout. Après ça, tu cherches femme partout. Odeur de cadavre. Quelqu'un m'a trouvé. Amen. Hein? Jésus est Seigneur. C'est la chair qui fatigue les hommes. Maintenant, tu prends. Même quand tu prends le micro là, tu veux parler là, mais il y a beaucoup de prédications dans la Bible, mais c'est côté là seulement. Mon frère, c'est pas l'argent qui est en train de te tuer, c'est ta chair qui te tue. C'est elle-même qui t'envoie derrière l'argent là. Les convoitises du monde. Amen. C'est pourquoi je te parle d'elle. Je ne te parle pas de l'argent. L'argent n'est pas méchant, il n'est pas mauvais. Mais c'est toi, ton attitude, qui est en train de détruire sa valeur sur la terre. C'est tout. Sinon, il y a une valeur que Dieu a créée. L'argent est une valeur. Parce qu'elle devait te faire du bien. Elle doit te faire du bien. La femme est une valeur. Elle doit te faire du bien. L'homme est une valeur. Il doit te faire du bien. Mais comment est-ce qu'on utilise les valeurs que Dieu nous a données? C'est ça. Comment est-ce que nous utilisons les valeurs que Dieu nous a données? Tu utilises mal les valeurs que Dieu t'a données. Tu utilises ça mal. Tu détruis facilement les valeurs. Il ne faut pas être des personnes qui détruisent les valeurs. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais quand tu ne sais pas glorifier Dieu avec les valeurs qu'il te donne, c'est blasphémé, c'est méchant. Arrive au verset 8, on s'arrête là. Verset 6. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Oui. À l'amour fraternel, la charité. La charité. Alléluia. Verset 8, enfer. Car si ces choses, sont en vous, oui. et ils sont avec abondance. Oui. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 J'aimerais, si ces choses sont en vous, ils ne vous laisseront pas oisifs. Parce que le plus souvent, tu es là, tu es à la maison, mais tu as la paresse de venir à l'église, tu ne sais pas pourquoi tu viens même. Si ces choses sont en vous, ils ne vous laisseront pas oisifs. On ne va même pas dire cotisation avant qu'on va mettre pénitent dans le temps. Yes. Si ces choses sont en vous, ils ne vous laisseront pas oisifs. Il y a des choses qu'on ne va pas vous demander de faire. Mais il faut qu'on vous exhorte encore pour payer dîme. C'est parce que ces choses ne sont pas là. Assez de choses manquent. Le véritable chrétien, on ne lui presse pas de payer dîme. Non. Le véritable chrétien, là, il y a des choses qu'on ne lui demande plus de faire. Mais si on doit insister dans ces choses. Waouh. Le véritable chrétien. Il dit, lorsque tu as la clé de la science, que tu pénètres à l'intérieur, tu entends les gens t'insulter et puis tu les regardes. C'est la même, ils insultent qui? Oui. Mais ils insultent qui même? Aïe. T'avais pitié, là. Et là, comment ils sont en train de s'exposer eux-mêmes? Ils pensent qu'ils m'ont insulté. Ils m'ont pas insulté. Et puis, ils ne comprennent pas pourquoi ça ne te fait pas mal. Ils ne comprennent pas. Parce que avec des yeux charnels, ils pensent que vous êtes la même chose. Pourtant, il y a longtemps, toi-même, la chair là, il est mort, tu ne le vois même plus. De sorte que tous ceux qui sont chers, qui parlent, tu ne le vois pas. Oui, tu ne le vois pas. Amen. Aïe. Quand tu vois encore celui qui parle par la chair, c'est parce que tu es cher. On ne le voit plus. Tu les regardes. Et puis tu as pitié. Il y a une compassion à l'intérieur. Si la parole que tu n'as pas répondu, c'est les capacités qui sont en toi qui se sont manifestées. Amen. Alléluia. Et non les valeurs de Dieu. Amen. Ce sont les capacités. Alléluia. Si tu es là encore pour considérer, il y a des personnes là, remplies de la tête jusqu'à ils ne sont pas encore convertis. Avant, hier, on m'a fait ça. Hier, il m'a fait ceci. Et puis lui là, le pasteur là-bas, il le rappelle. Une fois là, quand je suis arrivé, j'avais pris tel chef, il l'a levé pour donner à tel fidèle. Parce que
que je n'ai pas l'argent. Oh, ça c'est des jugements enfantins. Yeah. Faut grandir. C'est toi seul qui te détruis de cette manière. Quelqu'un t'a pas dit tu n'as pas l'argent. Mais dis ça à Jésus si c'est parce que je n'ai pas l'argent. Et puis c'est fini. Il ne sait même pas la raison pour laquelle la personne a posé l'action. Hein. Mais il s'en va. Il raconte. De ville en ville, je n'ai pas l'argent. De ville en ville, je n'ai pas l'argent. Tu ne vas pas avoir l'argent. Tu ne vas plus avoir l'argent. Oui, ça va devenir ta nature. Je n'ai pas l'argent. Pourquoi tu penses à ça? Aïe. On m'a frustré. On m'a crispé. On m'a froissé. Les restes, on va me mettre à la poubelle. Tu seras là-bas, tu vas préparer. On te fait tous les mots du monde. Grandissez, soyez convertis. Amen. La Bible dit convertissez-vous donc et vivez. Quand il dit convertissez-vous là, il ne parle pas aux gens de dehors. Oui, il parle à ceux de l'intérieur. La Bible dit convertissez-vous et vivez. Parce que nous avons la vie. Amen. Les grandes promesses sont pour nous. Mais malheureusement, celle-là, les promesses de l'Éternel sont en train de chômer parce qu'il n'y a pas d'enfants de Dieu pour les embraser. Réveillez-vous de votre sommeil. Amen. Et soyez éclairés par la lumière. Et que Jésus nous bénisse. On va se bénir.